en voyant la vidéo, il a reconnu que ça correspondait pas au bébé. Voilà. Ah. Et donc il y avait. Ben voilà, exactement. Vide, ouais, voilà. La possibilité ouais, de filmer. Hein. De filmer voilà. et de pouvoir les confronter. Les confronter, voilà, contradictoirement, devant le tribunal. Au faux, quoi. C'est quand même parce que faux. Ça avait quand même mal commencé. Bon, déjà, le procureur, je ne sais pas si tu dois remonter. Si, je vais y aller, je te laisse. Merci, Florence. Bonne journée. Merci. Au revoir, Florence. Bravo. Merci. Bravo. Merci, Maître Dole. Ouais. Ça avait mal commencé. D'abord, il ne voulait pas que vous soyez... la juge ne voulait pas de public dans la salle. J'ai vu qu'il y avait deux journalistes. Ensuite, la juge était très, très bien. Elle a relaté les faits. Elle m'a donné la parole. Hein. J'ai expliqué que j'étais là pour... utiliser mon droit constitutionnel, qui était le droit de manifester, premier point. Deuxièmement, j'ai expliqué que j'étais en tant que syndicaliste et militant politique connu sur la ville, donc je pouvais à un moment déranger. Troisièmement, j'ai dit que j'avais un grand tort, c'est que j'étais trop grand et qu'on me repérait toujours. Et que dans les fêtes qui se sont passées, on a coincé un jeune mineur et un retraité. Ça me porte un peu à sourire jaune. Bref. Ensuite, elle a donné la parole à au prof, qui était vraiment pas très gentil avec moi. Oui, parce que j'ai conclu mon intervention en disant que je m'étonnais quand même des poursuites en tant que militant politique ou syndical. Et tout de suite, il voulait en venir. Donc tout de suite, il a pris la parole en disant « Mais vous pensez que c'est un procès politique ?» Ah, j'ai dit « Oui ». Donc ça lui a absolument pas plu, parce que comment on est en train de... Vous pensez que moi, j'instruis des faits politiques, mais qu'est-ce que vous racontez là? Donc c'est vraiment mal parti, je me dis, il va me faire ma fête. Mais bon, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Maître Dole est intervenu tout de suite pour le recadrer. Alors deuxième élément où il m'a mis en porte-à-faux. Mais il y a un truc pas très propre, c'est qu'il a dit, mais comment vous mentez, mais vous n'êtes pas connu des services politiques, des services juridiques, des tribunaux. Mais alors expliquez-nous pourquoi vous avez une deuxième convocation dans le tribunal. Ah, il n'a pas le droit de faire ça. Alors il n'a absolument pas le droit de faire ça, il a insisté lourdement là-dessus. Ben voyons. Ben alors c'est pour ça que Maître Dole est intervenu tout de suite en disant, mais dites, mais c'est quoi ça? On est où ici? J'ai dit de toute manière, les faits pour lesquels je suis poursuivi seront, comme aujourd'hui, contestés. Et puis il n'y a pas de jugement. Donc là, c'était un peu chaud. Alors les réquisitions, je me suis dit, oulala. Alors Maître Dole a demandé ensuite à visionner les vidéos. Donc c'est un drone. Ouais, mais c'est pas la police. On les avait prévenus, c'est pour toi. Donc, ils ont regardé deux fois la vidéo, sur à peu près 5 minutes. Ce sont des vidéos dont on ne sait pas du tout d'où elles viennent. Ces vidéos, ça a été filmé par on ne sait pas qui, c'est pas coté, on n'en sait rien. Il n'y a aucune preuve. Rien du tout. C'est des gens qui ont filmé, mais en fait, c'était les nervis de Fontanelle. De manière qui était dans la foule. Non, parce que si ça avait été des vidéos des flics, ça aurait été estampillé comme ça, y compris de la ville. Les caméras de la ville ne couvraient pas le lieu. Ça il y avait une caméra derrière la ville, peut-être. Eux ont filmé derrière la ville. Oui, c'est ça. Voilà. Mais j'en ai reconnu quelques-uns d'ailleurs qui sont là parmi nous. Hein. Là, qui était chez Fontanelle. Évidemment, derrière les vitrines. Moi, je n'ai pas vu, toi, mais t'es pas bref. Oui, je suis mal parti. Puis tout d'un coup, il dit, bon, bah, écoutez, au vu des vidéos qui ont été présentées, il n'y a aucun fait matériel qui justifie que j'ai participé à la dégradation. Donc, je demande un relax.